Vous regrettez pas trop la nourriture française? Ça c'est depuis qu'on est arrivé, c'est l'ancien. Enfin, c'est du béton. C'est dur d'aller à Cluse. C'est vrai que c'est pas terrible. On avait été en Roumanie, et c'était bien meilleur que le bout de béton qu'on est en train d'avaler. Bon, c'est toujours un nouveau major, on dit que c'est l'un des plus compétitifs. Vous commencez par Dignitas, comment ça s'est passé pour vous? Alors, le premier round, j'ai pris 4 hachés dans la tête en anti-strat. C'est plutôt mal, ça a mal commencé, mais enfin, voilà, on a mis le premier en armée, et à partir de là, on a su construire une économie, mettre des rois. On a fini à 10 ans. Et à partir de là, moi, je dirais que si on déconnait pas en terreau, on pouvait rapidement plier la game, et c'est à peu près pas. D'accord. Il n'y a jamais eu aucun moment d'inquiétude, même à 5-5 au début, vous n'avez pas senti fébrile ou tout comme ça? Non, enfin, Nitas, on les connaît assez bien parce qu'on les joue pas mal en ce moment sur Internet dans les compétitions. Moi, ce qui me marque le plus chez Nitas, c'est vraiment le jeu qui est en fond. Aucune raison d'être inquiété plus que ça, de jouer Nitas. Surcubal, qui est quand même une de nos maps très très fortes en ce moment. Bah, justement, en parlant de ça, si j'ai bien compris, vous étiez en bootcamp à Nice matin et à la Envilla à Nice. Ça a été une bonne préparation? Vous avez pu un peu bosser? Vous vous sentez plus fort qu'à Cologne? Le bootcamp s'est relativement bien passé. En interne, on a quand même eu deux trois petits soucis, c'est vrai. Les gens sont pas forts. On a eu un très bon débriefing le dernier soir, pour partir. L'avant-dernier soir, on a pu jouer après. Et voilà, on est venu, je pense qu'on est venu dans ce genre de la mentalité, pour montrer qu'on a du jeu, qu'on est bon et qu'on peut accrocher un titre encore une fois, plus qu'en étant vraiment totalement préparé. Moi, j'ai mis l'accent sur la mentalité parce que. Plus que la préparation. Et si on est dans la bonne mentalité durant plusieurs mois, on aura des résultats comme ça. Ok, donc là, prochain match, ce sera le gagnant de Navi CLG. Un pronostic sur le match, Navi? Alors, Navi sont extrêmement fébriles en ce moment. Je pense que ça fait au moins 3 mois que les résultats ne sont plus les mêmes qu'avant. Et moi, CLG, c'est une équipe que j'aime bien, alors que c'est vrai que ils sont pas terribles. Et je crois que de mémoire, au dernier major, dans le match décisif, il y avait eu Navi CLG. Et ça s'était fini sur Q-Ball et presque overtime. Donc, je sais pas. Je préfère évidemment jouer CLG. Parce que moi, la réputation d'être d'être au niveau. Mais Navi est a priori pas bon. Ok. Bon. Peut-être un dernier mot sur les confrères de chez Titan, ou battre Nip? Nip, c'est un peu la bête noire en tout cas de l'ennemi, je pense. C'est un peu la bête noire de tout le monde. Ils sont un peu n'importe comment et c'est tellement décousu et ils se sentent tellement libres que ça finit par payer. Après, oui, Titan, c'est vrai qu'en ce moment, moi je trouve vraiment pas mauvais. Très clairement amélioré leur niveau de jeu depuis Scream, enfin l'arrivée de Scream. Et non, pas surpris qu'ils mettent Nip. Après, les voir contre. Les voir contre VP ou même peut-être Team Liquid, ce sera un autre match-up, peut-être plus intéressant que celui qu'on a dit. Parce qu'au final, je crois qu'il y a eu 12-3 ou quelque chose comme ça et que Nip a remonté. Mais dans un vrai match-up, moi j'aimerais bien voir. Ok. Bon je crois qu'on va vous laisser finir de manger. Merci, qui rend très bien. Merci.